Bienvenue sur Kaiser Automoto. Premièrement, je voulais remercier tous les commentaires et les soutiens que vous avez mis pour ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Et notamment aussi, j'ai pu apercevoir que la vidéo de la simulation vous a fait vraiment, vraiment plaisir et qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent de refaire, j'en referai. Aujourd'hui, donc, je suis avec un ami à moi. Je vais vous présenter Bruno. On est là. On est là. Ça va? On est là, ça va. Tranquille. Ouais, ça va. Aujourd'hui, on va vous présenter un véhicule assez particulier, très spécial. Tu nous la présentes? Okay. Allez, c'est parti. Alors, je vous présente mon Daily. C'est une Golf 7R. Donc, elle est de 2016. Ouais. Et elle est en stage 2. Et ça sort 400 chevaux. 400 chevaux? Donc, là, aujourd'hui, elle a 400 chevaux. Ouais. Là, dans la config que vous la voyez, elle est rabaissée. Ouais. Elle a moins 25. En moins ressort. 25. Voilà. J'ai mis des cales pour sortir les roues. Pour que ça soit au bord des ailes. Et donc, voilà. Et, il y a la ligne qui a été faite chez Ultimate Car. Mmh. Donc j'ai juste gardé le silencieux d'origine et ça fait déjà un très beau bruit. À la base, le véhicule, il sort combien de chevaux de base? Alors c'est une version à 300 chevaux. 300 chevaux. Donc en boîte auto DSG6. Ouais. Et voilà, ça marche vraiment vraiment bien d'origine. C'est assez accessible comme voiture. Enfin, c'est une Golf quoi. Et pour information, C'est ta première Golf 7R ou t'avais déjà d'autres véhicules avant? Alors moi j'avais d'autres voitures mais c'est ma première Golf. Sa première Golf? C'est ma première Golf. D'accord. Ouais. Et pour information, c'est un véhicule qui vaut combien à peu près? Alors, à la base? D'occasion, hein, d'occasion c'est entre 25 et 30 000. D'accord. Et après la prépa, ça va, on peut se débrouiller parce que c'est des voitures qui se préparent facilement. Ah ouais? Ouais, c'est des trucs, c'est pas trop cher. Le plus cher ça va être tout ce qui va être électronique. La gestion et tout ça, trouver le bon préparateur. Ouais. Mais sinon, tout le monde peut se faire plaisir avec ça. Et là, donc là tu m'as dit, donc là, en Yaka, ça vaut... C'est entre 25 et 25. 30 000 en fonction du kilomètre et de l'année et de son état, quoi. Et tu penses que c'est un véhicule qui a commencé encore à prendre un peu plus de cote dans les ouais. années dernières? Là, c'est une voiture qui perdra pas de cote, en tout cas, parce que, de mémoire, pour l'instant, la Golf 8R n'est pas encore sortie. Ouais. Et c'est pas sûr qu'elle sorte. Et d'ailleurs, tiens, vu que tu roules en Golf 7R, mmh. et je veux savoir, qu'est-ce que tu penses de la Golf 8? Physiquement, j'aime pas. Ouais. Après, voilà. Moi, je trouve que la Golf 7, c'est la plus réussie des Golf. Dans tout, c'est la plus réussie, la plus aboutie. Et je voulais savoir aussi, pour un jeune permis, est-ce que tu conseillerais ou pas? Non. Ça serait pas possible? Non, c'est trop cher. C'est trop cher. Hein. Bah, l'assurance, la carte grise, l'essence, parce que ça consomme. Ouais. C'est quand même une voiture qui consomme. Parce que là, t'as combien là, en litres à peu près? D'origine, je tournais entre 12 litres. Ouais. Au 100, là en stage 2, on arrive à, quand je m'énerve, quand je roule fort, ouais. on est sur du 15 litres, sinon en roulant normal, on est sur du 9-10 litres. Là t'as une carto, c'est ça? Ouais. C'est quoi, c'est une flex fuel ou Non, je suis en full 98, donc 98. Sans plomb 98, et je suis en stage 2, donc moteur et boîte, ouais. et voilà, donc full carto, boîte, DSG, tout, j'ai tout. On peut voir l'intérieur? Ah bien sûr, allez, avec plaisir. Allez, suis-moi. Hop là. Tu me permets, j'ai ma lumière. Allez, allez. Donc là, on a un intérieur magnifique. Tiens, je vais peut-être te prendre la caméra. Merci. Donc là, on a le fameux volant en cuir. Il est vraiment bien balèze. Il y a une bonne prise en main quand même. Franchement, il est très très beau. Ah ouais? Très très bien. Avec le petit méplat. Ouais. C'est pratiquement le même volant qu'il y a dans la Sirocco aussi. Tiens, vas-y, démarre là, appuie sur le frein. Ouais. Ouais, non, c'est pas mal. Là, on a le petit logo R avec le piano black. Sincèrement, c'est super beau. Je trouve que c'est très bien fini au niveau de l'intérieur. On se sent bien avec les bons baquets en R. Petit toit ouvrant. Ouais, elle est vraiment bien équipée. C'est une full de chez full. Ouais, quasiment. Il te manque quoi comme option? Il manque le grand écran, ouais. la sono d'inaudio et on appelle ça le ACC. Ouais. C'est le régulateur de distance de sécurité. D'accord. Voilà. Et au niveau de la boîte, t'as pas fait de carte pour la boîte? Ah si, t'es obligé. Obligé, ouais. Obligé, ouais, pour que tout passe.
Bah, c'est pour que les vitesses passent plus vite. Ouais. Et ça a décalé le rupteur, on a décalé le rupteur, on a modifié le launch control. Il y a énormément de choses qui ont été travaillées sur la boîte, quoi. Putain, si tu veux même... Regarde. Les fameux... Regarde un peu à l'arrière. Alors, c'est une bonne familiale. Moi, j'ai des enfants, donc c'est l'idéal. Hop, un mec comme moi, d'un mètre 83, franchement, on se sent bien. En plus, c'est vrai que t'es pas confiné, tu sens pas... Exactement, ouais. Non, t'es vraiment, à l'aise. Bien dedans. T'es vraiment à l'aise. Je pars en vacances avec, ouais. Des enfants dedans, tout le monde. Non, c'était bien. Et pour un plein, tu fais combien de kilomètres pour un plein? Sur autoroute, en roulant tranquille, t'arrives à faire 550. Et si tu tapes dedans? Oh, tu... Je regarde même pas. 350. Ouais. À peu près, ouais. Faut pas regarder. Et là, en plus, on a la finition carbone, c'est ça? C'est impeccable. Moi, je trouve ça sympa. On va voir un peu le côté moteur. C'est parti. Alors voilà. Bon, niveau moteur, donc pour commencer, on a changé la boîte à air. C'est ici, le système d'admission. Donc une boîte à air à Slimline. On a changé l'entrée turbo avec la sortie également, donc on appelle ça innate outlet. Voilà, les bobines APR, les bobines performance avec les bougies qui vont avec, le décata, donc on a supprimé le catalyseur ici et là on a isolé le turbo et la décata pour justement éviter qu'il y ait trop de chaleur dans le moteur. Parce que plus il y a de la chaleur dans le moteur, plus ça va à l'admission, donc c'est pas bon. Et on a changé, bon ça se voit pas, mais derrière le pare-choc, on a changé l'échangeur. D'accord. L'échangeur thermique, et on a mis un échangeur Wagner. D'accord. Donc c'est un échangeur qui fait le double de ce que j'avais d'origine. Là on est en combien en niveau de préparation? En prix, ouais. En prix, là on est sur à peu près avec toute la config comme là, j'en ai plus pour 2500 €. Ah oui, ça va. J'ai gagné 100 chevaux pour 2500 €, donc je trouve que c'est pas mal. Ouais. Enfin, c'est bien. Tu m'avais fait comprendre qu'il y a de la révolution plus tard. Voilà, il y a de la modif parce que là du coup maintenant on va passer en stage 3. Ah, franchement j'ai hâte de me faire avoir pour un stage 3. Bah, tu la verras. Hein. Complètement. Et puis. Et faut savoir que ça restera mon daily, ouais. et un daily en stage 3, quoi. Donc voilà, donc on va aller chercher... Pour les papas pressés. C'est ça, exactement, c'est ça. Les papas qui n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Voilà, c'est pour nous, voilà. Non, non, ça va être... Tu ne pourras pas te permettre d'arriver en retard en boulot avec ça. Ah non, je peux pas. Je peux pas. Après, je peux pas rouler sur les gens non plus. Bon, allez, donc, on va s'aller voilà. Pourquoi tu peux te demander? Ouais. On va faire... une petite accélération pour écouter un peu. Approche. Écoute-moi ce bruit-là. Bon, c'est parti pour l'essai routier. Hein? Allez, on se retrouve tout de suite pour l'essai routier. Les amis, on se retrouve à l'intérieur pour faire l'essai routier avec le frérot. On va faire un petit tour et puis ben, place aux vidéos. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon, moi pour ma part, c'est la première fois que je monte dans une Golf 7 R. Réellement. Et en fait, on se sent bien. On se sent très bien. C'est une voiture qui répond à tout. Ouais. Elle est ultra polyvalente. Elle est sportive. Elle est familiale. Elle a un vrai confort, tu vois, les sièges, t'as tout, les sièges chauffants, il manque vraiment rien. Non, c'est une super voiture, vraiment, elle répond à toutes les demandes, elle est complète. Et au niveau finition, je trouve que pour une Volkswagen, elle est vraiment bien finie. Il y a vraiment des belles finitions, on est vraiment sur du limite du premium et c'est pas mal. Là, la rente, là, c'est quoi ses concurrentes directes à elle? C'est la A45 AMG? Ah, A45, voilà, les générations A45 W176. Ouais. Donc, celle qui sortait 380 chevaux, 360 et 380.
en fonction des années. Et puis, la S3, c'est l'équivalent de la S3, hein, c'est la même chose, hein, c'est la même base, ouais. Même moteur, même. Donc là, concurrente de la A35, la S3. Ah ouais. Voilà. Franchement, on entend super bien le pop and bang là, enfin le crack and bang. C'est ça, exactement, le pop and bang. T'as pas mis haut, t'as pas mis fort. Ouais, en fait, c'est mon mapper qui me l'a intégré. Ouais. Et c'est pas mal, mais là, avec la nouvelle ligne, ouais. J'en ai quasiment pas besoin. Ouais. Elle est pas si raide que ça en fait, même si t'es rabaissé. Non. Alors, parce que en fait, j'ai la suspension pilotée. D'accord. En fait, ce qu'on appelle le DCC. Ouais. Donc, c'est dire qu'en j'ai plusieurs modes de conduite. Ouais. Éco, confort, sport, enfin bref. Et en fonction du mode de conduite, en fait, la suspension est durcie. D'accord. Donc, non, c'est une voiture vraiment confortable. Franchement, il y a peu de choses à lui reprocher. Et là, en fait, du coup, là, c'est là, t'as directement ton monitoring qui te dit tout là. Exactement. Donc là, t'as la pression de turbo au centre. À gauche, tu as la température d'eau. Et à droite, on a la température d'huile que je surveille régulièrement pour savoir à quel moment on peut vraiment se faire plaisir, quoi. Ça consomme de l'huile, ça, beaucoup ou pas? Non. Non, si on fait attention, on respecte bien la mécanique, faut bien la faire chauffer, faut pas tirer dedans bêtement. Honnêtement, on est sur du... Franchement, sur 10 000 km, je vais peut-être mettre 500 ml, même pas. Mais vraiment, si je roule très souvent, fort, quoi. Mais sinon, non, c'est vraiment... Enfin, honnêtement, il faut faire attention. Moi, après, je suis très, très soigneux. Je fais des vidanges tous les 10 000 km. Ah, ça, c'est parfait, ça. Ouais, ouais, parce que Volkswagen, ils annoncent 30 000 les révisions, mais j'estime que 30 000, c'est beaucoup, surtout pour ce genre d'engin. Et au niveau des freins en entretien, on est à peu près à combien sur la facture? Non, ça va, les freins d'origine, c'est pas très cher. Franchement, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Après, je vous dis, si elle a vraiment un défaut, c'est vraiment les freins. Les freins. Mais pour les freins entretien, ça va, c'est les freins entretien, c'est les pas freins, trop cher. C'est pas trop cher parce que ça va, ça reste propre. Ouais. Mais le freinage, c'est de la merde. Enfin, d'accord. Je vais être honnête, c'est désolé pour Volkswagen, mais là-dessus. Bah, c'est comme BMW, je les aime. Ouais. Tu mets un coup de patin ou deux, tu réfléchis à deux fois avant de mettre le troisième. Exactement. Ouais, d'accord. C'est ça. Là, tu vois, on enchaîne 2-3 ronds-points. Si je m'énerve sur les 2-3 ronds-points, le troisième, je pense qu'on passe dessus, quoi. Sacrée belle reprise, sincèrement, elle a une sacrée belle reprise et en fait on se sent rassuré à l'intérieur. Exactement. Elle est pas traître. Non. Elle est pas traître. Non, non, elle a une prise en main vraiment, vraiment facile. Bah, c'est un 4 roues motrices. Donc c'est une voiture hyper facile à dompter. Ouais. Honnêtement, tout le monde peut la prendre en main. Après, le souci, c'est les excès de confiance, quoi. J'ai une question, t'accroches quoi avec ça, toi? T'as tenu quoi? Bah pour l'instant, j'ai testé beaucoup avec du Golf ou du Seat, donc c'est difficile de dire. Honnêtement, je pense que tout ce qui est... J'ai déjà testé avec des M135i. Bon, en stage 2, les gars, c'est efficace, hein, c'est vraiment efficace, quoi. Après, sinon, il n'y a pas beaucoup de monde qui reste à côté, hein. Mais dans le monde des petites caisses comme ça préparées, il y a du gros client, il y a vraiment du client. Sincèrement, ça pousse. On va refaire un petit accès parce que là on est parti en sous-régime. T'étais en combien là? Là on était en 3 en sous-régime, mais regarde, là si on part en 2. Ah, c'est vrai que ça arrache. Franchement, c'est vrai que ça arrache. Et rappelle-moi le nombre de chevaux qu'elle a. Elle a 400 chevaux là. 400 chevaux. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que regarde, on est dans un rond-point, on tourne. Elle répond direct. Tu vois, la puissance, elle passe tout de suite, ça c'est trop bien. Et c'est vrai que le freinage, il est assez mordant. Là, je sens le freinage. Alors, il est mordant, mais je sens que la pédale. Ça y est, elle commence à être spongieuse. Elle est toute molle, ouais. Complètement. Non, voilà quoi, non, c'est une super auto, vraiment. Pour vous dire la vérité, sincèrement, c'est la première fois que je monte dans une Golf 7 R. En plus, là, il y a un stage 1. Deux stages 2, pardon. Et j'ose même pas imaginer quand tu vas faire ton projet là. Ouais, et que j'espère que ça va être pire que ça. Ça sera la guerre. Ça va être la guerre, ouais, c'est clair.
Non, bah, on va faire un truc sympa, ouais. Après, dans le monde de la Golf 7, il y en a déjà beaucoup. Mais bon, c'est après, déjà faut pas tirer mal. Son épingle du jeu. Voilà, c'est ça. Chacun fait son truc et à sa manière. Donc, et ouais. Pour en conclure, est-ce que tu as des réseaux sociaux ou tu as... Ouais, alors vous pouvez me suivre sur Instagram principalement, sur Akimoto7R. Ouais. Principalement, je mets des photos, je mets des stories de ma voiture, de ma vie en général avec ma caisse. Et puis mes prépas, quand je travaille dessus, quand ouais, je mets tout dessus et généralement Instagram. Ok, pas de souci. Vous retrouverez toutes les informations dans le descriptif en bas dans la vidéo. Moi, pour ma part, n'oubliez pas de me rajouter sur Instagram, donc Kaiser-Auto-Moto01. Vous pouvez aussi me contacter à travers mon email. De toute façon, tout ça sera indiqué dans le descriptif en bas. Et puis, en tout cas, Bruno, je te dis à très vite. À bientôt. Hein. Pour le stage numéro pour le stage 3. 3, 3, hey, le 3, là, ça va être le bordel. Le 3, allez, ça va être là, un aujourd'hui, bordel. C'est première mi-temps, mais la prochaine fois, la deuxième mi-temps, va faire mal. À très vite sur Kaiser Automoto. Ok, les gars. Allez, ciao, ciao. À plus tard. À très vite.